Bon. Dorcas Tatounou. Mon tout babou. Ma fille, comment on va? Aïe. Tu es déjà arrivée à cette heure-là? Tu as travaillé hier soir, non? Comment vous allez? Sergio. La réussite totale. Oh boy, ça c'est un beau nom, ça. Ouais. La réussite totale. Ouais. C'est bien ça. Il faut attirer la bénédiction sur soi, mon cher. Tu as raison. Irène Aya, comment va? Bon. La saga MK Secrets. Elle continuera à faire le bilan aujourd'hui. Si vous nous donnez du travail, on va en parler. Bon, j'ai quelques petits messages à vous passer là, avant de commencer. Donc, aïe, vous dites, pourquoi nous on vous dit partager, partager? Mais c'est votre rôle. Aïe, vous ne pouvez pas venir nous regarder comme ça, en spectateur. Il faut que vous partagez un peu. Il faut que ça monte. Bettine Payet, comment va? Bertine, la transaction, je voudrais que tu fasses ça à Paris. C'est-à-dire que on va se parler. J'aimerais ça que tu fasses ça avec Edith. Voilà. Thérèse Yoboué, comment va? Perpétue Diakité, vous allez bien? Vivi Bailly, bon, le temps que vous partagez, ben, il faut bien que vous partagiez là. Il faut bien que vous partagiez juste que. Oh, merci Bettine Payet. T'es donc bien fine. T'es toujours là. Ok, les vives sont là. Et la nouvelle page même, j'oublie de faire la publicité de jour. Quand tu dors à 2h du matin et puis tu te réveilles à 5h30, c'est ce que ça donne. Oh. Flo Maï. Luxon Série. Ah, ça c'est un nom de comme Luxon Pado. Luxon Série. Maggie, vous allez bien? Ok. Le temps que vous partagez, qu'on monte légèrement. Ouais, parce que vous savez, les vidéos de 6 heures là. Moi, c'est toujours après. Merci pour les cœurs. Qui me donne des cœurs déjà? Miku Fortuna Tano. Merci. Aïe. Mais comment avec les emojis de pleurs là, c'est pourquoi. Il n'y a pas la tristesse ici. On vient pour parler tranquillement. Ah, qui m'a envoyé des étoiles? Ah, Li Thomas, comment va? Zeina Doumbia, vous allez bien? Bon, mes abonnés de mes impactés très très forts des États-Unis, vous avez vu que je vous ai envoyé vos commandes samedi, ouais, c'est samedi. Samedi après le direct, je suis allée faire ça. Oh boy, ça m'a pris du temps. C'était long. À la poste, c'était un jeune garçon qui ne maîtrisait pas les affaires. J'ai dû taper 1h30 là pour tout, pour vous envoyer tout ça. Finalement, ça a été fait. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes des femmes de confiance. Je n'ai même pas eu besoin d'avoir votre argent avant de vous envoyer les pailles. Déjà, vous m'avez fait tous les PayPal hier soir. Merci beaucoup. C'est ça. On est suivi par des dignes femmes, par des femmes responsables, c'est comme ça. Voilà. Merci aussi à notre impacté du côté de l'Europe qui a fait le transfert à Edith Typhon. Ouais, elle envoyait de l'argent, comme quoi elle n'avait pas besoin du pagne, donc elle envoyait de l'argent. Merci, merci, je vous remercie beaucoup. Je suis contente de comment se portent les choses. Oui, c'est vrai, les choses se portent très bien. Je suis très contente, c'est ça. Vous allez voir comment vous serez heureux quand vous allez me voir à Abidjan avec la couveuse. Une couveuse, vous savez ce que ça apporte dans un hôpital, ne serait-ce qu'une couveuse. C'est-à-dire le bonheur que ça peut apporter à un enfant, un bébé prématuré. Je ne sais pas combien de temps faire un bébé prématuré dans une couveuse. Ça, ce n'est pas mon domaine, je ne sais pas. Mais au moins là, ça peut aider un bébé, c'est-à-dire qui est prématuré, qui est en difficulté. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais choisir quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup, mais je vais prendre quelque chose de bon. Voilà. Même si c'est un peu plus cher, je vais prendre ça. Pour que ça puisse durer tout et tout. Je ne vais pas aller prendre la camelote, là. Rassurez-vous. Vous serez très satisfaite.
Quand j'en parle là, c'est avec beaucoup d'émotion. Vous ne pouvez pas imaginer. Merci encore à toutes ces femmes, à tous ces hommes aussi, à Biondé, à l'impact. Et quand tu parles seulement d'un homme. J'ai dit, mais j'ai dit un seul homme ici au Canada. Il y a mon petit en Russie qui a acheté 3 morceaux pour sa maman à Abidjan. J'ai mes bons petits aussi à Abidjan. Vous avez payé. Vous avez beaucoup payé. Je pense 4 ou 5 garçons à Abidjan qui ont payé. Ah non, non, non. Je ne suis pas en train de vous négliger, là. Non, non, non. Pas à toutes, là. Donc, c'est ça. Donc, merci encore. Aïe. Mané, tu es pressé. Lixon, pas de moi. Amoré, tu vas où et puis tu es pressé. Ah, il faut qu'il parle un peu de mes choses. Les vivres rentrent la semaine prochaine au Canada. Je ne peux pas vous donner de date, mais vous aurez vos vivres avant Noël. Dieu merci, le 22 déjà, je suis en vacances. Voilà, 22, je suis en vacances. Donc, dès que les vivres arrivent là, vous serez tous servis ici. Les gens de Québec, ça se peut que le 24, je sois sur la route à Québec pour vous envoyer. Ça se peut, mais je vais voir comment se portent les choses. Voilà. Bon, comment vous allez? N'oubliez pas de faire vos commandes. Vous me demandez toujours qu'est-ce qu'il y a. La liste de ce qu'il y a là est déjà sur mes 2 pages. Il y a presque tout. Il y a presque tout, tout, tout là. Du poisson, de la graine pilée, de la tieke, de la diovan, du nyan-nyan, des apis, de quoi encore là? Le gingembre. Oui, il faut que je prenne le temps de parler de mes choses. Le gingembre, le bissap, quoi d'autre? Le beurre de karité, le beurre de cacao, tout ça, vous en avez. Voilà, il y a un peu de tout. Bon, le nombre qui est là, moi, ça me convient. Après, ça va monter. Le samedi, quand je suis revenue de la poste, du sport, ouf, j'étais cassée là. Bon, j'ai vu que le directeur de monsieur et madame Gérard MK Secrets. Le direct avait eu lieu. Bon, honnêtement, j'ai écouté la première partie et puis j'ai beaucoup lu les commentaires. Je n'ai pas écouté le direct tout au complet, là. Et j'ai trouvé que c'était un direct trop bruyant. Il y avait trop de bruit. Pourquoi il y avait trop de bruit? La télévision était allumée. Je ne sais pas si MK Secrets n'a pas vu ça. Les gens faisaient les commentaires. Et puis l'éternel problème. Les tout petits étaient là. J'ai dit, comment vous faites avec les enfants là même? Ça là, j'ai fait un petit parallèle, puisque ça c'est mon domaine. Comment vous faites avec les enfants qui sont à bas âge, des enfants mineurs, des tout petits, qui restent longtemps, ça dit leurs heures de sommeil là, qu'est-ce que vous en faites? Des parents adultes. Ça, j'ai beaucoup remarqué. Ouais, même ici au Canada, quand Wendy était petite, là, j'avais beaucoup remarqué ça chez des amis qu'on fréquentait. Ils avaient de la misère à mettre les enfants au lit très tôt. Je ne sais pas comment vous vous arrangez. Ben, s'il vous plaît, il y a une routine qu'on établit pour que des enfants se couchent tôt. Les enfants, là, au plus tard, 7h30, 8h, quand je dis 7h30, là, je parle de 19h30, 20h, des enfants, ça dit, comment on dit ça? Je vais enlever encore les nourrissons, là, les bébés, je vais les enlever parce qu'eux, ils font leur nuit ou ils ne font pas leur nuit. Donc, moi, je vais encore partir des tout petits. Quand on parle de tout petits, on va commencer à partir de 1 an jusqu'à l'âge, si vous voulez, on va aller jusqu'à 6 ans. Parce que quand ils ont 11 ans, 12 ans, c'est un peu compliqué. Moi, je vais les prendre jusqu'à l'étape où ils vont encore, ils rentrent à l'école. Ça dit de 1 an jusqu'à 6 ans, les enfants ont besoin d'au moins 12 heures de sommeil. Oui, c'est ça. Donc, comment vous faites? Et puis, à 22 heures, 23 heures, vos enfants sont encore dans vos pattes, dans les maisons. Ça, c'est une routine qui s'établit. Voilà. Si ton enfant ne dort pas, ou bien vos enfants ne dorment pas à 20 heures, et puis à 21 heures, ils sont encore là à demander « Maman, papa, derrière vous là ». Ça veut dire que vous avez un problème d'organisation dans vos maisons. J'ai vécu ça quand Wendy était petite. Quand je partais chez des amis, là, c'était le problème que je posais. Je leur disais, on me dit, non, mais c'est pas toi, ta fille, elle est seule. Non, 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 c'est pas ça partout, là. Elle était seule, mais vous croyez que c'était facile?
Surtout en été, là, quand elle voit qu'il y a la lumière. Non, maman, il ne fait pas encore nuit. Je dis, si, il fait nuit. Oui, c'est vrai, en été, on peut essayer d'étirer, compte tenu des activités, tout et tout. Mais aucun enfant, ça dit que tout petit, qui reste tard dans la nuit, 22h, 23h, comment vous faites même avec vos maris? Donc, vous ne, les week-ends comme ça, là, vous ne causez pas avec vos maris, vous ne vous asseyez pas avec vos maris dans vos fauteuils, là, pour vous asseoir, pour causer, tout et tout. Il n'y a pas ça dans vos couples, là-bas. Et puis, moi, à 22h ou bien 23h, causerie que moi, j'ai causé avec mon mari, toi, l'enfant, tu es encore dans mes pattes. Revoyez-vous. Vous avez compris? Revoyez-vous. Quand on revient, quand on est en période scolaire, on revient avec les enfants rapidement, ils prennent leur collation, ils prennent un petit goûter, automatiquement, on prend les bains, ils prennent le dîner. Évitez les télévisions même le soir. Les enfants ne doivent pas regarder la télévision une heure de temps le soir. Tout ça, ça les épuise. Contrôlez aussi des enfants qui sont au service de garde. Assurez-vous là-bas. Est-ce qu'ils font de trop longues siestes? Ça, ça fait que souvent les enfants, pour aller dormir la nuit, il y a problème. Donc, assurez-vous le service de garde où les enfants sont. Vous pouvez demander à votre éducatrice là, ben, les enfants à partir de quelle heure ils dorment? Mon enfant, à partir de quelle heure à peu près, il essaie de dormir. Elle va t'expliquer, on va t'expliquer. Non, ce n'est pas la peine que les enfants traînent dans vos pattes là-bas. Tout ça, c'est une question d'éducation. Il faut revoir tout ça. Le sommeil de l'enfant est très important. Quand il est encore tout petit, là, il a besoin de son sommeil au complet. Donc, ce n'est pas normal que vos enfants traînent dans vos pattes là-bas. Et ce phénomène, c'est tellement difficile pour des parents que ces gens d'enfants-là, vous ne pouvez même pas aller en voyage avec eux. Quand je dis en voyage avec eux, exemple, moi, quand on était petit, nous, on partait tout le temps aux États-Unis. On prenait une chambre. Dès qu'on arrive, tellement son sommeil est réglé là, avec le voyage, tout et tout là, il a dit, elle ronfle jusqu'à nous, on fait nos jambes en l'air. Quand elle a dit, mais aïe, mais comment vous faites? Mais c'est parce qu'elle dort. Elle dort, elle ne va pas se réveiller. Mais c'est sûr qu'il y a un enfant. Donc, comme on allait faire, comme si on était en lune de miel là, c'est pas comme ça on va faire, mais c'est très important. Vous comprenez? C'est très important. C'est pas normal que des enfants ne dorment pas quand ils sont petits à des heures planifiées. Quand vous arrivez, tac, 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 vous faites le souper. Arrêtez de faire manger les enfants tardivement. Au plus tard, 5h30, 6h. Déjà, on est en hiver. Non, à partir de 5h30. Quand je dis 5h30, c'est 17h30, là. 17h30, 18h déjà. Quand vous êtes déjà revenu, tac, 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 le souper. Vous avez fini le souper, vous privilégiez les enfants, les devoirs. Les enfants se lavent. Il faut les mettre au lit. Même s'ils n'ont pas sommeil, ils doivent être dans leur chambre. Il y a des routines, il y a de la lecture qu'on fait. Ils ont leur livre préféré, vous pouvez aller avec ça. Vous faites un peu de lecture aux enfants. Ah oui, c'est ça, vous faites de la lecture aux enfants. Il y a des enfants aussi qui aiment, comme on dit, de ne pas dire dans notre jargon, qui aiment abuser. Oui, je vais tel livre, tu lis quand ça finit pas. Moi, quand on dit, mais peut-être un matin, il a coupé la lecture, là, il dit, bon, c'est bon. Puis c'est dans la lecture, tu veux profiter chaque fois. Non, je veux ça, je veux ça. Finalement, j'ai dit, bon, choisis toi-même ton livre. Et puis, elle s'est débrouillée. De temps en temps, j'y allais. Vous comprenez? Il y a les terreurs nocturnes. Des enfants qui dorment et puis ils se réveillent. Et puis, ils crient, ils pleurent dans le sommeil. Vous pouvez aller tout doucement. Vous vérifiez si l'enfant est OK, tout et tout. Donc, si ton enfant ne dort pas 22h, 23h, et puis il est dans tes pattes, causerie, tu causes avec ton mari. Il va dire, oui, maman, tu as dit quoi? C'est pas à toi, je parle. Non, toi, tu dois être déjà au lit. Clair que ça. C'est une question de routine. Si la routine est établie, au début c'est difficile, mais après, ils vont finir par s'adapter. Ils n'ont pas sommeil, ils ont sommeil, ils doivent être dans son lit à partir de 8 heures. Donc, qu'est-ce que l'enfant fait? Et puis, on fait direct, on entend voix de l'enfant, c'est rentré ici. Ce conseil-là, c'est valable pour tous les parents. J'ai fini de dire pour moi. Donc, ce direct, comme je disais, il était très bruyant. Donc, moi, j'ai pas vraiment écouté le direct. J'ai écouté un peu au début, j'ai lu les commentaires, tout et tout. Ce qu'on a fini par comprendre, monsieur Gérant a fait le bilan comme quoi, bon, il y a eu vraiment, bon, depuis le début, on le sait, il y a eu des pertes, tout et tout, tout et tout. Mais j'ai un petit parallèle. On est ici pour se dire la vérité. Quand j'ai écouté, j'ai vu que, bon, on a tablé sur la gratuité qui a été faite. Il y a eu beaucoup de tickets gratuits, tout et tout, tout et tout. Ben, excusez-moi, c'est là que je m'en viens, là. Mais les tickets gratuits qui ont été donnés, est-ce qu'on va imputer cette responsabilité-là à Ekassel? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Les tickets, on est en train d'organiser un événement. Vous comprenez? Je vois dans mes rêves. Mais, yaya, moi, je dis non. On est en train d'organiser un événement. Il y a tout un plan qu'on essaie de mettre en place, tout et tout. Donc, oui, c'est vrai, c'est toi qui es la star, c'est toi qui es en avant. Mais autant de tickets qu'on allait prendre pour donner
à quelqu'un sous prétexte que non, c'était les tickets qu'elle devait donner, les VIP. Ben, excusez-moi, monsieur gérant, avec tout le respect que j'ai pour vous, on ne va pas imputer cet échec-là, ou bien cette façon de faire-là, on ne va pas imputer ça cela. Et quand? Mais vous, vous étiez où? Et puis, elle s'est dit, elle va prendre, comment on appelle ça, tous ces tickets pour donner à des gens dans une business que vous, vous êtes en train d'organiser. Vous comprenez? C'est la partie-là qui n'est pas bien tombée dans ma tête. J'ai essayé d'écouter à votre niveau. Comme je dis, il y avait trop de bruit. Le lendemain, j'ai vu hier soir, je crois que j'ai vu un direct de MK Secret où elle a essayé de détailler ça. Ben, c'est ce que j'ai dit. Vous aussi, vous avez votre responsabilité dans cet échec-là. Ah oui, il faut qu'on le dise clairement. Elle a voulu faire sa diva, tout et tout. Mais pourquoi vous avez accepté ça? Vous comprenez? Pourquoi vous avez accepté ça et puis après aujourd'hui, ça a échoué? Et puis 150 tickets gratuits, c'est toi qui es en avant de l'événement, mais est-ce que ça te donne le droit de prendre 100 tickets gratuits? Ben, les 100 tickets gratuits qu'on est en train de prendre, qu'on donne à quelqu'un, c'est déjà dans votre budget qu'on est en train de creuser là. Donc, pourquoi c'était rendu comme ça? Cette partie-là, j'ai trouvé que c'était très flou tout de même. Mais quand elle a dit qu'elle va au bout, elle prend tout. Je ne prends même pas 100 tickets. Je prends quasiment peut-être 30 tickets ou bien 50 tickets déjà. Qu'elle a dit qu'elle va prendre pour donner à ses VIP. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui remplace ça? Qui va fermer ce trou-là? Vous comprenez? Donc, c'est là que je trouve que non, c'est bizarre, là. C'est bizarre. Et puis, écoute, on va se poser des questions. Ou encore, vous n'aviez pas l'expérience, ça veut dire que l'expertise pour organiser ce genre d'événement. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que si vous n'aviez pas cette expertise-là, ben, s'il y a des ratés, que chacun prenne ses responsabilités. Je ne sais pas si vous me comprenez, hein. Ça, là, c'est comme c'est sur ce côté-là que moi, je suis en train de tabler, là. Vous comprenez? Si vous êtes venu en parler comme ça, c'est déjà mieux que vous soyez venu en parler dans un audio. J'ai vraiment aimé cette façon de faire là. Parce que quand j'ai vu sur la page de Secret que vous devez faire un direct, je dis, mais attends, est-ce qu'ils sont sérieux là? Je ne peux pas venir là. Après, j'ai vu, on m'a dit, non, c'était comme que je pense que c'était quelque chose d'enregistré. C'est fine, c'est correct là. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous là, c'est le fait qu'il y a eu les tickets gratuits. Est-ce que c'était une surprise pour vous? C'est dès le début, déjà, la façon dont MK expliquait, c'est comme si c'est dès le début déjà que vous saviez déjà qu'il y avait des tickets gratuits qui devaient être donnés et vous avez accepté. Vous comprenez? Oui, la dame qui a acheté le ticket de 3000 euros, je crois qu'elle a expliqué hier que c'était une erreur, tout et tout. Vous comprenez? Même les... Attends. Ben, les VIP, là, selon moi, hein, je n'ai jamais organisé de grands événements, là. Mais moi, je suis en train d'organiser mon événement. C'est moi qui suis le producteur. C'est moi qui investis les sous dedans. Même si tu es la diva, là, ben, le nombre de tickets qu'on va donner à tes personnes, je suis désolée, là. Oui, I'm sorry. On va essayer de voir tout un petit nombre qu'on va donner. On ne va pas prendre et puis on va donner cadeau comme ça à tout le monde. Donc, vous aviez accepté ça. Vous comprenez? Cette partie-là, franchement, non, c'est vraiment pas tombé dans ma tête. Parce que quand elle est en train de dire qu'elle va donner tout ce nombre de tickets, elle donne en temps, mais à un moment donné, vous allez dire, mais si tu donnes tous ces tickets-là, comment on va pouvoir faire rentrer l'argent? Hein? Comment on va faire rentrer l'argent si on doit donner? Et puis dans un événement, hein, moi, selon moi, hein, un événement que quelqu'un que je connais, quelqu'un que je connais en train d'organiser, ben, y a ma contribution que je vais donner aussi. Oui, on peut m'offrir peut-être un ticket, mais il y a quelque chose que moi, je vais faire aussi pour apporter. Même si on me donne un ticket de 200 dollars cadeau, ben, peut-être que pour t'accompagner dans ton événement, moi, je vais te donner au moins 200 dollars ou bien je vais te donner quelque chose pour accompagner dans l'événement. Mais quand vous faites de la gratuité, qui assure toutes les charges qui sont reliées à l'événement? Donc ça, je ne peux pas dire que c'est Eka seul. Ah non, 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 non. Là seulement, on ne peut pas être d'accord là. Vous comprenez? C'est ça. Parce que je suis là, j'ai dit, mais qui a donné ces tickets gratuits? Ce n'est pas tombé du ciel. Les tickets, oui, même si les tickets sont passés dans sa main, tant, tout et tout, mais en tout cas. C'est ça.
Ah oui, je vais bien, moi. Ah, en tout cas, ça, c'est pas correct, là. C'est pas correct. Une salle qui coûte 12 000 euros, comme vous dites. On a eu les confirmations par... Il y a Linda qui est sortie, qui a fait une vidéo que j'ai vue hier sur... Comment on appelle ça? Sur YouTube. Effectivement, la salle coûte 12 000, là. Dans une salle qui coûte 12 000, on va donner gratuit à tout le monde comme ça. Mais quand on fait un événement, c'est pour gagner dedans. On ne fait pas un événement pour perdre. $129 sur le Zoom et il dit $57. Vous comprenez? Elle a donné les tickets. Oui, elle donne les tickets gratuits pour remplir la salle. Mais eux, ils sont où? Et puis on donne les tickets gratuits pour remplir la salle. Ou bien les tickets gratuits ont été donnés à la fin. Ou bien ce n'était pas prévu au début. Bref, cette partie-là, moi je trouve ça, je n'ai pas compris. Parce que je n'ai pas compris. Moi, je suis l'organisateur de l'événement. Le nombre de tickets que tu vas donner gratuitement, je dois connaître ce nombre-là. Si je vois que le nombre est trop, ben, je vais dire non, attention, ça c'est trop ça. Claire, c'est mon point de vue là. Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ça hier. Je dis non, il faut. En tout cas, peut-être c'est moi qui comprends, mais je vois aussi que ça fait un peu bizarre. Donc, au vu de tout ça, moi, ce que je suis venu te dire aujourd'hui, MK Secret, il faut que tu tournes la page. Hier nuit, hier soir, j'ai vu ton direct de hier soir. Donc, ça veut dire que les premiers conseils que je t'ai donnés, tu réponds à qui? Mon ou à Maouni, tu n'as pas écouté ça. Tu n'es pas obligé de reproduire le même scénario que les autres. C'est-à-dire, quand je dis les autres, je parle de Claudia. Tu comprends? Avec eux, il y a eu une relation, tout et tout. MK et toi, c'est une affaire, je suppose. Hein, parce qu'avant l'affaire, est-ce que vous étiez amis? Vous causiez? Avant que vous organisiez cet événement, vous ne causiez pas. Je pense que c'est après, quand vous avez organisé, c'est-à-dire quand tu as proposé ça à ton mari, c'est là que vous êtes rentré en contact. Donc, c'est une affaire qui a capoté de part et d'autre, comme je suis en train de dire. Tu comprends? Une confiance aveugle, c'est sûr. C'est une affaire qui a capoté, petite soeur. Donc, hier, le dernier direct que j'ai vu là, fais pas ça. Tu comprends? Venir l'insulter, tout et tout, tout et tout. Elle et toi, c'était pas une relation personnelle. Avec Madoudounaya, c'était un peu personnel. Avec Claudia aussi, c'était... Oh là là, pourquoi cette fille-là? Je l'ai toujours appelée Claudia. Sylvia. Avec Sylvia aussi, c'était, comment on dit ça, c'était un peu personnel parce que elle était sa star, se sont même vues dans la vraie vie. Mais elle et toi, c'est une business qui a mal tourné. Donc, tu pour ça, je t'ai dit, elle a fait sa vidéo, nous, on a déjà réagi. Ben, tu ne viens pas pour la descendre. Même moi-même qui suis là, même mon poste, on vient me dire, je suis jalouse d'elle. Bon, moi aussi, on dit, je suis jalouse d'elle. Donc, je comprends pourquoi souvent, des gens l'attaquaient de façon virulente. Des gens l'attaquaient. Donc, c'est ça. Mais, ça dit, il faut prendre de la hauteur. Ben, c'est pas elle qui est venue t'insulter. Je vois sur ta page que, quand tu fais les directs, tu lis les commentaires, ce que je t'ai dit de ne pas faire. Il faut tourner la page sur cette affaire-là. Vous allez monter, descendre, vous n'allez pas avoir l'argent là. C'est une perte, ça dit comme on dit, une perte incommensurable, c'est fini là. Tu comprends? S'il te plaît. Tu comprends? Hier, tu es allé trop en profondeur, trop descendre sur elle, ça c'est pas toi ça. Elle n'est pas sortie pour t'insulter, tout et tout. Donc tu viens pas hier encore pour venir l'insulter, lui dire tout ce que tu as dit. S'il te plaît, petite soeur. Tu réponds à qui? Je te repose la question. Tu comprends? Tu réponds à qui? Des gens qui n'ont que le mot, vous êtes jalouse d'elle, c'est à eux que tu réponds. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'es pas jalouse d'elle. Tu comprends? Je n'ai pas vraiment apprécié la vidéo que j'ai vue hier nuit. Ne l'insulte pas, laisse-la comme ça. Vous avez fait une affaire avec elle aujourd'hui qui a capoté. Les gens avaient, vous savez, toi et ton mari, vous avez hissé les attentes trop haut. Donc, c'est pour ça que ça a donné ce résultat. Et puis, je crois que ton mari aussi n'avait pas l'expertise requise. Ton mari n'avait pas vraiment l'expérience. Ouais, c'est ça. Quoi qu'on dise là, c'est un agent de banque. Oui, pour niaiser, je dis le banquier, pour énerver les gens. Sinon, c'est un agent de banque. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'il est doué dans les affaires? Est-ce qu'il sait comment on monte des affaires? Oui, vous avez vu une personne qui draine du monde sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes dit, bon, ça c'est la poule aux œufs d'or. On va essayer de monter quelque chose avec elle. Et puis, bon, bref, ça a foiré.
si ça foirait, on tire les leçons et puis ça dit, on prend du recul. Monsieur Gérant, cette vidéo aussi vous est destinée. Prenez de la hauteur. Moi, j'ai déjà communiqué 2 ou 3 fois avant, avec vous, avant ces événements. Contrairement à ce que les gens pensent, on pense que le mari de MK m'a appelé. Mais non, j'ai déjà parlé avec ce monsieur plusieurs fois déjà. Vous êtes quelqu'un de posé, vous êtes quelqu'un de chose. Donc, essayez un peu de recadrer votre femme pour lui dire non, c'est fait, c'est fait. C'est en affaire, il y a souvent des échecs. Oui, c'est vrai, c'est un échec cuisant, ça c'est clair. Et ça fait mal parce qu'il y a de l'argent qui a été mis dedans, comme j'ai dit là. C'est perdu là. Vous comprenez? C'est là mon message ce matin. Tu vas proférer des injures, tu vas dire tout ce que tu veux. Est-ce que c'est ce qui va amener ton argent? C'est pas ce qui va amener ton argent. Ben, c'est une expérience aujourd'hui qui a été faite. Au vu de tout ce qui précède là, au vu de tout ce qui est arrivé aujourd'hui là. D'ailleurs, on voit maintenant sur les réseaux sociaux, s'il y a d'autres personnes encore qui vont aller se lier, ils vont comprendre que oui, c'est vrai. Peut-être qu'elle-même là, peut-être qu'elle-même, elle pouvait nous apporter quelque chose, mais derrière elle là, c'est les gougnafiettes qui sont là-bas, hein, les gougnafiettes. Les gougnafiettes qui n'ont pas été capables d'accompagner le star. Oui, c'est vrai, peut-être il y a des bonnes dedans, c'est sûr. Quand on parle, c'est pas tout le monde là, ça c'est sûr. Tu comprends? Il faut que tu te calmes. C'est ce que je suis là pour te dire ce matin. Ne reste pas sur sa vie chaque jour aussi. Chaque jour, tu vas te rêver, tu vas insulter chaque jour. Non, non, fais pas ça. C'est ça qui est ça. Parce que c'est ce qu'on a. Quoi qu'on dise là, c'est elle-même qui fabrique, je dirais, c'est Ben Laden entre griffes. Ah oui, parce que quand tu utilises quelque chose, bien quelqu'un, contre quelqu'un, ben ça donne le résultat que ça donne aujourd'hui. Mais toi, je crois que ça n'a pas été le cas. Toi, c'est business, vous avez monté, ça a foiré, bref, c'est ça. Ton mari ne maîtrise pas les rouages de l'événementiel, ça c'est clair. Ouais, avec le peu que j'ai entendu dans cet audio bruyant là, tu comprends que non, le monsieur aussi ne maîtrisait pas que l'affaire. Vous aurez, pour que cet événement là marche là, ton mari aurait pu prendre cet événement, confier ça à une structure qui maîtrise comment organiser les événements. Je crois que de cette façon-là, on aurait pu éviter tous ces dérapages-là. Mm-hmm. Si M. Gérard ne s'était pas mis devant lui-même et que, bon, peut-être il a sa structure, hein, il donnait ça à des personnes neutres là qui allaient organiser ça, je crois qu'on n'en serait pas. Il n'y a pas quelqu'un qui organise, c'est-à-dire qui a l'habitude d'organiser un événement, qui va accepter qu'elle prenne 100 tickets VIP pour donner là-bas. Non, ce n'est pas possible à toutes là. Vous comprenez? Donc, on a vu hier, en fait, comme a dit, tard dans la nuit, à minuit, j'avais mis un poste. J'ai une de mes abonnées tout de suite ici au Canada qui avait m'a dit l'impacteur, enlève son poste sur ta page. Même dans notre communauté, nous, on fait que la regarder, on ne la partage pas. Donc, pourquoi toi, tu partages son poste et puis tu commandes? Donc, tout de suite, j'ai supprimé. Jusqu'à on a dit, bon, c'est Denis, les moqueries, tout et tout. HLM. Ben, excusez-moi, là, je l'ai toujours dit dans mes vidéos ici. Oui, son mari, la femme des banquiers qui vivent dans un HLM. Ben, chez vous, là-bas, c'est pas comme ça. En France, là. J'ai toujours dit qu'ici, au Canada, là, on passe dans les HLM pour aller ailleurs. Mais là-bas, souvent, vous élisez domicile dans les HLM, je l'ai toujours dit. Et puis, être dans un HLM, est-ce que c'est nécessairement, comment on dit ça? Comment on appelle ça? Sécuriser le direct, mes personnes. Sécuriser mon direct. Merci. Est-ce que vivre dans un HLM, ça veut nécessairement dire que on est misérable? Là-bas, vous avez souvent des moyens, mais il y a des mamans que vous mettez en place pour vous retrouver dans les HLM. Là. Ça, je le dis. Je le dis ici, il n'y a pas un professeur d'école ou bien quelqu'un qui travaille à la banque, tant, qui va vieillir dans HLM au Canada. Ça n'existe pas partout ici. On passe là. Si tu vois quelqu'un, il dit, je travaille à la banque, ou bien je suis professeur, ou bien je suis infirmier, ou bien je suis préposé, qu'il est encore dans HLM, ça veut dire qu'il est là, et puis il est en train de cotiser son argent pour aller payer sa maison. Mais chez vous, là-bas, ça, c'est un non-événement. Donc, quand on prend la maison de MK Secret avec son mari, et puis on met sur les réseaux sociaux, et puis on dit, c'est là qu'il vit, c'est pas EKC qui est une parfloteuse. Excusez-moi, là. Cette petite fille n'a jamais dit sur les réseaux sociaux qu'elle était milliardaire. Elle n'a jamais dit qu'elle était riche. Elle n'a jamais dit ça. C'est juste parce que vous avez vu qu'elle ne parle pas bien le français. Elle ne s'exprime pas bien.
Vous avez cru que c'était un Nyakwa, un homme de, ça dit, un homme en bas de manioc qui était derrière elle. C'est quand vous avez vu maintenant que son mari est un intellectuel, en plus il travaille dans une banque, c'est ce qui vous a surpris. Et puis vous voulez coller cette étiquette, sinon la petite fille n'a jamais dit que son mari est milliardaire. Apprenez à respecter les gens. Donc, Secrets, laisse ça faire là comme ça. Direct, tu direct là, fais pas ça. Toi-même, ça va te dénigrer. Parce que si tu fais ça, à un moment donné, tu fais ça, on va voir maintenant que c'est de la récupération. On va voir maintenant une affaire même qui te fait mal jusqu'à... Mais il faut laisser, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Le temps qui est là, surtout sur les réseaux sociaux. Comment les gens vont tourner tout de suite et puis ça va te donner raison. Mais si tu parles trop comme ça, là, un jour, tu n'auras pas la raison. C'est sûr, avec ce que vous avez expliqué hier, chacun a sa part de responsabilité. Prenez aussi votre part de responsabilité dans cet échec-là, le couple gérant. Vous avez une confiance aveugle, vous vous êtes fait berner tout et tout, mais c'est sûr que si ton mari avait de l'expérience là, tout de suite il allait sentir que non, ça c'est pas ça, ça marche pas là. En affaire, non, ça passe pas. Mais bon, vous vous êtes tous fait avoir. Donc il y a des erreurs que chacun doit prendre de son côté. Vous comprenez, des échecs qui sont arrivés là, ce n'est pas pour une seule personne. Ne regarde pas tout ce qui s'est dit. C'est ce que je t'ai dit et je te le répète ici. Comprenez? Ne regarde pas tout ce qui s'est dit, c'est rentré, c'est sorti ici. Les injures contre le prophète, ne regarde même plus ça. Parce que plus tu vas regarder, plus tu vas venir la descendre, alors que ce n'est pas elle qui t'a dit ça. Ça a toujours été de même. Ça a toujours été, c'est pour ça que, comme je t'ai dit, merci pour les étoiles, pour qui m'envoie, Larissa. Larissa, Amunia, aujourd'hui tu as pris le direct en marche. Ayonia, comment tu vas? Tu vois, je t'avais dit, finalement tu es sur le direct. Vous comprenez? Ne regarde pas ça. Les injures, on va te dire ça sur les réseaux sociaux. On prend la photo de ton mari, on met sous des postes, tant, son mari est vilain, son mari est tant. J'ai dit, faut pas regarder tout ça là. J'ai dit qu'il y a des jolies filles qui changent les sacs, les sacs là-bas, les marques de quoi là-bas. Il n'y a pas un garçon même qui leur fait pss. Ça c'est dans mon jargon. On ne leur fait pas ça là-bas. Avant, quand tu es une jeune fille là, quand les gars veulent te donner, ils font voilà. Donc, dans mon dialecte, là, quand on te brève pas, on a, nous, on m'a dit, on ça. Elles sont là-bas. C'est à tout cela que tu vas venir répondre. Mangni, on va pisser, on nous, ce moment. Tu comprends? Je te parle en tant qu'une grande soeur, en tant que tout. C'est ce qu'elle te dit là, c'est ça qui est ça. Donc, ne réponds pas à tout ça. Elles ont les Louis Vuitton, elles ont les Dior, elles ont tout ce qu'elles ont là-bas. Bon, ça, c'est celles qui sont en France. Hein. Maintenant, les pètes-pètes même qui sont en Afrique, là-bas, elles-mêmes, on n'a qu'à les oublier. Dans tous ces pètes-pètes-là, tu as venu leur répondre. Tu as venu répondre à tout ça. S'il te plaît, petite soeur, je sais que ça fait mal. J'ai dit que l'argent, là, dis-toi que tu as mis dans un WC puis tu as tiré la chasse. Mets ça comme ça dans ta tête. Tu comprends? Tu as comment on est. Ça dit, ne te laisse pas abattre par toutes ces injures. Et puis maintenant, tu as regardé ça sur ta page. Et puis tu as venu descendre et car matin, midi, soir. S'il te plaît, ça, moi, je ne veux pas ça. Tu comprends? Particulièrement, oui, c'est vrai. J'insiste là-dessus. C'est une affaire qui n'a pas marché. Laissez comme ça. Prenez de la hauteur. Tu comprends? Laisse-la comme ça. Passe à autre chose. De toute façon, tu parlais de tes sujets et puis tu jouais la comédie dans tes sujets, tout et tout. Tu avais tes petits sujets dont tu parlais, moins de 18 ans que tu parlais. Et puis quand les gens suivaient, je voyais, ça s'est partagé. Il y a des trucs, tu as fait moins de 18 ans, ça s'est partagé, quand 1000 partages. Donc, continue comme ça. Ne prends pas et qu'à chaque jour, tu vas t'asseoir sur elle pour l'insulter. S'il te plaît. Je suis sincère, du fond du cœur. Tu comprends? Faut laisser comme ça. Ça va venir sur la place publique. Ça va venir là. Mais pour dire que tu as dormi sur sa vie, pour aller chercher les vues, pour aller chercher les injures. Non, pas besoin de ça. Tu comprends? Voilà, c'est ce que je tenais vraiment à te dire ce matin-là. Toi et ton mari, monsieur Gérant. Laissez comme ça.
Dans la vie, il y a des investissements qu'on fait et puis on s'est dit, ça dit on prend de la hauteur ou on prend du recul, on regarde comme ça, on s'est dit, ben tiens, ben si c'était comme ça, ça dit que j'aurais pas dû faire ça ou bien j'aurais dû faire ci, tu comprends? Tu comprends? Et puis elle n'a jamais rien dit, comme tu le dis. Elle a dit, elle a fait sa vidéo, tout et tout. Après ça, bon, elle est sortie. Elle est sortie de ce dossier, elle est dans son coin. Donc, laisse-la comme ça. Si on veut regarder les injures ou bien les commentaires que les gens nous posent sur les réseaux sociaux, donc chaque jour, on va l'insulter comme ça. Non, s'il te plaît. Tu comprends? Ne regardons pas les commentaires. Tant. Moi-même, j'ai mis quelque chose sur elle. Il y a des vidéos que j'ai faites dedans. Tu es jalouse d'elle. Bon, je suis jalouse d'Eka dans la vraie vie. Pourquoi? Je suis jalouse d'elle. Pourquoi dans la vraie vie? Qu'est-ce qui me manque? Quelle là que j'ai pas? Puis je vais être jalouse d'elle. Je suis jalouse d'elle. Pourquoi? Mais particulièrement, elle ne m'a jamais attaquée. Mais c'est juste que il y a des choses que j'ai appris. Bref, je prends de la hauteur. C'est ça, laissez-la comme ça. Elle a fait, ça va, ça dit, comme on dit, il m'a eu, ça est devant. Tu comprends? Hier, j'ai pas vraiment aimé ta vidéo de hier nuit. Hier nuit, j'ai vu ça, j'ai pas aimé ça. Je trouvais ça trop intense là, non. C'est pas parce que tout le monde l'insulte matin, midi, soir, tu vas venir aussi pour l'insulter face à un événement qui a échoué où vous avez votre responsabilité dedans, toi et ton mari. Tu comprends? Fais vu et ignorer. Tout ce qu'on va te dire, fais vu et ignorer. C'est les villageoises là. Tu es une villageoise heureuse comme moi. Nous sommes des villageoises. Hein? Moi, je suis née en bas des bananiers, ici à la bas. Toujours je le dis. Et villageoise, mais tu es villageoise heureuse dans ton foyer. Il y a des citadelles malheureuses là-bas. Et elles sont citadelles. Hein? C'est elles qui sont hierées. C'est elles qui connaissent tout, mais elles sont malheureuses. Il n'y a rien pour elles là-bas. Donc, sois fier de ça. Tu comprends? Faut être fier de ça. Voilà. Ne te laisse pas emporter comme ça. Et puis, tu vas sortir des gros mots. Tu vas sortir des vilaines paroles. Non. C'est pas toi, ça. Tu comprends? Je sais que c'est énervant, là. Mais fais pas ça. Ton mari ne doit pas te laisser rentrer dans ce jeu-là. Tu as la clasher matin, midi, soir, tu as la clasher. Non, pas besoin de ça. Je reconnais mon impact ce matin. C'est ça que ça, là. Elle était venue sur les réseaux sociaux pour passer les messages. Chacun dans son jargon. Chacun dans sa façon de parler. Tu dis I, O, A, O, tu viens, tu parles dedans. Réseau social est devenu à faire des... Tu n'es pas joli. Réseau social est devenu à faire des... Tu mets perruque dessus sur ta tête. Réseau social, regardez comment elle est habillée. Elle ne sait pas parler français. Elle est en train. C'est dans ça qu'on est sur les réseaux sociaux. Sinon, au début, nous sommes venus pour que chacun passe son message. Réseau social est devenu à faire des... Il faut que tu mettes le nom de quelqu'un là pour qu'on vienne regarder ta vidéo. Il faut que tu sois en train de clasher pour qu'on vienne regarder ta vidéo. Donc, tu n'as pas rentré dans sa petite soeur. Jolie femme. La femme du banquier. Il faut passer sur ça. Passe sur ça. Viens pas toujours dedans. Si tu fais ça, moi, je ne serai pas d'accord avec toi. Je ne serai pas d'accord vraiment avec toi. Chaque jour, tu vas venir l'insulter. Chaque jour. Tu comprends? Je suis prête là. Tu as mis ça une fois, deux fois, c'est bon comme ça. On sait que tu es prête, mais il faut laisser comme ça. Si elle a une conscience aussi là, peut-être qu'un matin, elle va venir un jour pour faire son mea culpa. Ça peut arriver. On est sur les réseaux sociaux aussi là, souvent à cause de l'engouement. Un matin, peut-être dans une vidéo, elle va s'asseoir, elle va dire oui, c'est vrai, voici aussi mes erreurs. Parce que quoi qu'on dise là, elle n'a jamais reconnu une erreur sur la toile. Jamais, elle n'a jamais reconnu quelque chose. C'est toujours elle la victime. Donc, ça se peut qu'elle a une conscience, elle est un être humain. Elle a ses forces, elle a ses faiblesses. Donc, peut-être qu'elle va venir dire, oui, c'est vrai, à cette partie-là, comment on appelle ça? À cette partie, oui, c'est vrai, j'ai pas bien agi. Elle peut venir dire ça. Donc, mais si tu es en train de l'insulter matin, midi, soir,
Non. C'est pas parce qu'elle insultait de partout, tu vas venir rentrer dedans, s'il te plaît. Petite soeur, c'est que je t'aime bien, c'est pour ça que je te parle. Comprends? Laisse cette affaire-là comme ça. Laisse cette affaire. En tout cas, il a fini de dire pour moi. Il n'y a pas m'attarder. Je crois que c'est la dernière fois. À moins qu'il y ait un rebondissement. Mais je crois qu'il n'y aura pas de rebondissement. Ouais. C'est ça. Il faut laisser tomber. Tatinigi, il faut laisser. Tu comprends? Ne viens pas encore taper sur le clou comme ça chaque fois. Fais pas ça. Regarde tout ce que tu as dit hier dans ta vidéo. Ça, c'est pas toi, ça. Fais pas ça. C'est pas toi. Après tout, elle est ta grande soeur, tout et tout. Tu vas venir. C'est pas ton éducation. Est-ce que c'est ton éducation? Quand tu es venu sur les réseaux sociaux, tu n'étais pas comme ça. C'est pas ton éducation. Tu comprends? C'est pas ton éducation, ça. On t'a vu quand tu es sur les réseaux sociaux. Et puis, avec le monsieur même que tu as comme mari, je ne comprends même pas comment tu peux descendre là comme ça pour faire ce genre de vidéo-là. Tu es un homme digne derrière toi. Quand on est un homme digne, là, on peut faire une fois, mais venir rester dedans comme ça, tout le temps en train de faire ça, en train de faire ça là. Ça dit, c'est comme tu vas fragiliser l'homme. On dit, mais aïe, ça c'est la femme d'un intellectuel qui est là. Même si elle n'est pas arrivée loin à l'école, mais on dit que son mari est intellectuel. Mais comment il peut permettre qu'elle fasse ce genre de vidéo là? Ne fais pas, ça dit, fais pas en sorte qu'on te stigmatise de cette façon, bien qu'on te catalogue comme ça. Tu comprends? Reste comment tu étais. Laisse ça faire des cas là comme ça. Tu comprends? Ouais, elle n'a pas les papiers, la quoi, whatever, tout ça. Anyway, c'est aujourd'hui on entend ça, on a déjà entendu ça. Donc, tu n'as pas venu prendre ce qu'elle a. Oui, c'est vrai, elle a fait allusion à elle-même, ses papiers. Comme je l'ai dit, parfois, c'est elle-même qui se livre à comment on dit ça? C'est elle-même qui se jette en pâture. Bon, tu connais ta condition et puis tu viens mettre les gens au défi. Bref, tout ça, laisse tomber. Il faut laisser tomber. Ça fait des années, elle est là-bas, elle n'a pas tant de temps, c'est correct. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avec les papiers. Les papiers là, Dieu va faire, un jour elle va avoir ses papiers. On lui souhaite que le bien. Nous autres là, moi personnellement, je lui souhaite que le bien. Même s'il y a beaucoup de choses que je n'apprécie plus, mais je lui souhaite que le bien. Je ne peux pas souhaiter le malheur. C'est pourquoi lui souhaiter le malheur? Quelqu'un qui a ses enfants à bas âge, qui est un être humain comme toi, qui a sa famille, qui a des gens qui l'aiment. Puis toi, tu as lui souhaité le malheur. Nous autres, on n'a jamais souhaité le malheur à Eka. On est sur les réseaux sociaux. Quand ça vient là, chacun parle dedans. Puis c'est tout. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Faites vos commandes. J'ai déjà beaucoup de commandes qui sont rentrées. Beaucoup, 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 beaucoup. Ce qui va être bien, c'est que quand vous faites vos commandes, dès que ça arrive là, il y a déjà moi, c'est pour ça que je dors à 2h du matin. Parce que tout est enregistré sur mon ordinateur. Dès que ça arrive, je place vos commandes, pam, il m'est livré. Voilà. Moi, je vais livrer je vais vous livrer dès que ça arrive. Donc, c'est à vous de faire vos commandes. Merci à tous ceux qui m'ont donné ces étoiles. J'espère que mon message, tu l'as compris. Pour ceux aussi qui viennent d'arriver, j'ai donné des petits conseils sur comment faire dormir les tout-petits très tôt. Les enfants, souvent, qui font pipi la nuit, ils sont grands, ils ont dépassé. Parce que dès que l'enfant commence à avoir, je pense à parler de 6 ans, c'est là qu'on passe, on commence à parler des énurésies nocturnes. Ouais, 6 ans. Quand l'enfant a 6 ans et puis il commence à faire pipi tout et tout, la solution aussi, c'est qu'il faut les faire manger tôt, les faire boire moins. Ça là, il n'y a pas, ça dit, on peut chercher les médicaments comme on dit en Afrique, tout et tout, bref. Mais la solution moderne que je vous propose là, c'est ça. Si tu as un enfant qui est déjà un peu plus grand qui fait le pipi au lit, faites-le manger tôt. C'est-à-dire qu'à partir de 18h, au plus tard 18h30, il faut que cet enfant-là ait fini de manger. C'est qu'il va prendre peut-être un petit goûter, tout et tout, avant d'aller se coucher. Mais il faut éviter de lui donner trop d'eau à boire. Mais s'il a bu l'eau, là, il faut t'arranger pour que, c'est-à-dire qu'il fasse le pipi avant de dormir. Vous comprenez? Parfois, c'est ça qui fait que des enfants... C'est difficile aussi souvent dans les parents de surveiller ça. Souvent aussi en début de sommeil, malheureusement, il faut essayer d'aller le réveiller. Si tu vois qu'il n'est pas trop endormi, tu le réveilles et puis fais pipi. Et puis bon, ça passe. Établissez des routines avec les enfants quand ils sont petits, dans le sommeil.
C'est pas normal que des enfants, ça dit que des enfants encore à bas âge traînent dans les maisons 23 heures, ils dorment pas. Ils dorment pas, ils font quoi et puis ils dorment pas. Donc si ton enfant ne dort pas 22 heures, 23 heures, c'est pas la faute à l'enfant, c'est toi le parent qui n'est pas structuré. C'est toi le parent qui n'a pas une routine claire. Les enfants, c'est pas compliqué, tu établis la routine. C'est ça, il faut les faire boire moins pour les enfants qui font pipi. Donc l'enfant qui fait pipi, vous lui donnez les boissons la nuit, tout ça, évitez les boissons. Et surtout les boissons trop sucrées, les jus le soir, il faut éviter ça. Avec des enfants qui font pipi, comment on dit ça? Qui font pipi. Vous comprenez? Donc c'est très important. Moi, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé quand je m'en vais chez des amis et puis tard dans la nuit, 22 heures, les enfants traînent encore dans la maison. Quand ils demandent, ils ne veulent pas aller se coucher. C'est l'enfant qui te commande ou bien c'est toi qui dirige l'enfant. Le parent est le premier éducateur de l'enfant. Donc, c'est-à-dire que c'est à toi d'établir les règles. Et puis l'enfant, lui, il suit. Même dans notre travail, ça se ressent ici. J'avais une petite ici, la mère me l'avait envoyée, tout et tout. C'était son premier enfant. Elle ne voulait pas d'enfant. D'après elle-même, elle ne voulait pas d'enfant. Mais quand elle l'a eu, c'était comme un bouleversement dans ta vie. Elle m'envoie cet enfant-là, toute petite, là, bien adorable. L'enfant est bien, mais Dettina, comment tu vas? L'enfant adore, mais dès que tu la mets dans la bassinette, comment on appelle ça, bassinette, eux, ils ont leur mot ici, là, oui. Dans le berceau, c'est ouais, 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 elle va réveiller tous ses parents. Je ne comprenais pas. J'ai dit, bon, la sieste du matin, je comprends, mais la sieste de l'après-midi, à un moment, je demande à la maman, je dis, mais pourquoi elle refuse tant que quand je la mets au berceau? Oh, Monique, c'est parce qu'elle dort avec nous. Je dis, pardon? Elle a un an, elle dort avec vous? Oui, parce que c'est difficile pour moi tout le temps de me réveiller la nuit. Donc, elle fait le cododo avec le bébé. Ben, je lui ai dit, mais quand vous faites le cododo avec le bébé, moi, je fais comment ici? Ça ne marche pas, alors. Ah non, non, non. J'ai dû la liquider, là. J'ai dit, non, ça ne marche pas. Parce que elle, je la mets au berceau, c'était les cris. J'ai dit, elle crie qu'on entend dans mon village à Zougoubé, là-bas. J'ai dit, mais je ne peux pas. D'abord, elle empêche les autres de dormir. Parce que moi, même si j'établis ma routine, ça ne marche pas chez vous. Moi, je ne dis pas dans mauvais rêve. Quand il fait là, il a dit, bon, je vais vous donner 2 semaines. Si ça ne passe pas, on va rompre le contrat. Je m'en suis débarrassée. C'est clair. La femme va avoir un an, il dort dans ton berceau. Et puis moi, quand tu m'envoies au service de garde, ça devient Katanga sur ma tête. Pour vous dire que c'est des routines qu'on établit avec des enfants. Vous comprenez? Essayez ce que je vous dis. Vous rentrez avec les enfants. La préoccupation, c'est le souper. Passe pas ton temps à écouter les vidéos de l'impacteuse ou bien de quoi. Tu peux écouter ça après, quand les enfants sont couchés. Donc, quand vous rentrez là, empressez-vous de faire le souper, arrangez tout pour que l'environnement des enfants soit bien. Quand ils vont être couchés, ils ne sont pas habitués à ça. Ils vont faire du bruit. Tu vas chaque fois là-bas. Tu restes couché. Oui, surtout quand ils sont deux dans une chambre, là, ce n'est pas évident. Mais quand ils sont seuls encore, c'est bon. Ils vont vous dire, maman, j'ai vu un fantôme. Tout et tout. Ils vont faire, d'autres même défilent 10 fois dans vos chambres là-bas. C'est pas grave. Ils défilent là-bas, tu le remets là-bas. Tout ça, il a fait Wendy. Oui, j'ai vu un fantôme. Attends, j'ai dit, ben, allons, le fantôme, il va partir. Tu retournes chaque fois. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? Quand les enfants défilent dans nos chambres, on prend la paresse et puis ils dorment auprès de nous. Ça, là, les hommes n'aiment pas ça. Hein? Les enfants qui viennent défiler trop dans les chambres là. En tout cas, le mien, il n'aimait pas ça. Il dit, ah, chérie. C'est ici, elle vient de dormir à son lit là-bas, non. Donc, vous comprenez. Où les hommes n'est pas. Le roi, quand Wendy faisait ça, elle était petite là. Il dit, ah, tiens. C'est toujours en train de voir les fantômes là-bas. Donc, c'est ça, l'affaire des fantômes là. Vous comprenez. Vous comprenez. Voilà, donc c'est ça qui est ça. Ils sont en train de rire. Aussi clair que ça. Donc, établissez vos routines avec vos enfants. Les clubs des petits, les enfants reviennent, vous les mettez devant les dessins animés, devant des appareils, tout ça là. Une heure devant une tablette. J'avais une ici là. Elle connaissait toutes les chansons des enfants sur YouTube. Moi, il n'y a pas de télévision. Il y a une télévision en bas, mais je mets ça que pour Noël, Thanksgiving, les événements ou bien leur anniversaire. Mais l'enfant connaissait toutes les chansons. Un jour, je lui ai demandé, mais c'était quoi? Quand elle est fatiguée, on la met devant l'écran. Tout ça, ça ne se fait pas. C'est pas bon. Voyez le monde dans lequel on est aujourd'hui là. Comment les enfants sont accrochés. Donc, tu peux imaginer déjà ton enfant à bas âge, tu lui donnes le gadget. Mais quand il va avoir 10 ans, 11 ans, on ne peut plus les maîtriser. Wendy m'a fait ça ici. Son premier téléphone, elle ne dormait quasiment pas.
Ah non, non, on lui a retiré ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On dit, bon, tu prends ton téléphone, rendu à une certaine heure, tu le déposes ici. Le téléphone dormait ici. Elle était un peu malheureuse. Après ça, encore, à l'école, là-bas, les notes ont baissé. Ah, le monsieur, lui, joue pas. Il a retiré le téléphone. Il a dit, elle est maigrie comme ça, en si peu de temps. Il a dit, quand tout va rentrer en ordre, je vais te redonner le téléphone. Donc, voyez-vous comment nos enfants sont accrochés tant aux gadgets, aux trucs. Donc, c'est depuis le bas âge, il faut travailler là-dessus. Le sommeil, là, c'est très important dans le développement d'un enfant. Ça dit, c'est important. Un enfant qui ne dort pas bien, tout et tout, qui dort, c'est 11 à 12 heures de sommeil. Et puis, bon, il n'a pas de... C'est pour venir dormir en classe là-bas. Ça dit, vous êtes en train d'affaiblir le cerveau de votre enfant sans vous en rendre compte. Donc, faites dormir les enfants. Organisez-vous. Ben, si vous avez des enfants, quand vous ne pouvez même pas planifier quelque chose, ça dit rien. Tu as deux enfants qui n'arrivent même pas à dormir avant 23 heures, avant minuit. Comment vous allez organiser des choses? Alors que, oui, c'est vrai, je suis parent. On est des parents, mais on a droit à notre vie dans la vie de famille. Les soirs comme ça, les vendredis soirs, vous vous arrangez, vous faites coucher les enfants. Même, il y a des films, même vous pouvez regarder des films de famille. Vous pouvez regarder avec les enfants. Vous organisez un petit cinéma. Ce jour-là, vous vous arrangez plus tôt, 19h déjà, vous mettez un film. Ensemble, vous regardez bien. Mais vous allez les coucher automatiquement et puis vous passez votre temps dans votre petite intimité. Il y a des couples, mais vous ne vous asseyez jamais pour dire qu'on va prendre un petit verre, hein? Madame va prendre un coca ou bien monsieur coca ou bien un petit verre d'alcool le vendredi pour causer un peu. Il n'y a pas ça. Tout simplement, on dit non, les enfants ne nous donnent pas le temps. Les enfants, ce n'est pas un fardeau, vous comprenez? Les enfants, ils font partie intégrante de notre vie. Donc, c'est à nous, en tant qu'adultes, de nous organiser avec les enfants qu'on a à bas âge et puis planifier des activités. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant, on ne vit pas. On a un enfant, donc on ne respire pas. Non, tu as des enfants, mais tu peux organiser des activités avec les enfants, tout et tout. Vous comprenez, c'est ça qui est ça. Donc, ne laissez pas les enfants comme ça tard dans les maisons. Ce n'est même pas civilisé. Il y avait une famille quand on était à Longueuil qui était... Les voisins ont dû porter plainte contre elle. J'ai dit de un, tu es nouveau arrivant. Voilà, ça c'est un conseil. Vous êtes des nouveaux arrivants. Il me reste juste 3 minutes là. Des nouveaux arrivants au Canada. Vous avez deux enfants déjà à bas âge. Votre place est dans le sous-sol. Ne prenez pas des maisons à hauteur. Parce que le bruit. Le voisin a dû porter plainte contre elle. Chaque jour, il y avait la police. Elle ne comprenait pas. J'ai dit, mais quand vous venez là, ceux qui vous reçoivent doivent vous donner des conseils. Parce que nos enfants en Afrique, ils ont de l'espace, ils jouent tout et tout. Ici, les maisons en étage sont en bois. Donc, quand ils marchent là-bas, le monsieur dit, elle avait 3 enfants. Hein? Le Québécois dit que non, il y avait 10, comment ils appellent, il dit 10 pieds. Il dit, il y avait quasiment 10 pieds chaque jour dans la maison. Lui, il comptait les 2 pieds et puis il comptait, donc il dit que 10 pieds qui marchaient dans la main, il n'était plus capable. J'ai dit, mais vous avez des enfants à bas âge là, quand vous immigrez, ceux qui vous ont reçu devaient vous dire, ça vous prend un sous-sol. Sous-sol là, il n'y a pas personne qui va te déranger là-bas partout. Mais quand vous prenez en haut là, ben ceux qui sont en bas, ils s'en plaignent chaque jour là. Et c'était devenu le cauchemar pour elle. J'ai dit, ben tu ne peux pas sortir du bas, il faut attendre d'abord. Quand on tombe dans le mois de mars là, tu vas dire au propriétaire que tu ne veux plus rester. C'est comme ça, ils ont eu leur sous-sol et puis ils étaient bien. Donc vous comprenez, c'est ça qui est ça. C'était quoi le problème? Le monsieur trouvait que c'était bruyant. Les enfants ne dormaient pas tôt. Il y avait toujours du bruit. Passé 23 heures, les enfants étaient encore dans la maison. Il y avait trop de bruit. Donc, c'est ça qui est ça, ce que je vous dis. Voilà. Je suis passée par là. J'ai déjà analysé un peu tous les comportements, comment on se comporte. Quand je m'arrête dans une maison déjà, et puis je vois que t'as la femme, elle marchait. Oui, ils sont là-même là. Pour les faire dormir, c'est problème. Je vois déjà quel genre de parents. Hein? C'est vous les villageois, on dit, vous avez juste déménagé en Occident. Et vous ne faites pas un effort. Ça n'a rien à voir. L'argument que mes amis trouvaient, non, c'est pas votre enfant, elle est seule. Ça n'a rien à voir là. Elle est seule, mais l'éducation est stricte. Claire. On dit que là, quand elle va chez tous mes parentés, depuis elle était petite, elle va, tous ceux qui sont là, ils savent que ma fille est réglo. Elle est réglée. Parce qu'un sujet de caractère, c'est comme ça. Mais c'est juste que je l'écoute. Donc ne laissez pas vos enfants comme ça, de cette façon. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Tes amis arrivent chez toi, 20h, tes enfants sont couchés. Tranquille, tu veilles sur eux. C'est ça, on dit, une famille de qualité. Sur ce, prenez soin de vous. Votre impacteuse très, très forte. Toujours la même, je ne change pas. Ciao, au revoir.